Et voilà, on est reparti pour une semaine. Donc là, on va longer la Loire. Encore sur la Loire à vélo. Le temps de rejoindre la Vélodyssée du côté de Saint-Brévin. Yep. Allez, c'est parti, on vous emmène. Voilà. Une belle ligne droite avant le pont de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, on arrive. Non, je vous rassure, on passera pas le pont. C'était la petite blague du jour. Bon, on continue sur la Vélodyssée pour rejoindre Pornic. Peut-être l'escale du jour pour dormir cette nuit. On va voir comment ça roule. Allez. Et voilà, il y a l'air d'avoir environ 7 km de piste comme ça. Jusque plus ou moins le pont de Saint-Nazaire, ben on va aller voir, hein. Mais bonne qualité de route, pas trop de trous, du gravier, ça roule quand même. Bonne qualité de route en général. Franchement, jusqu'ici, ça fait plaisir. Allez, on y va. Allez, un petit arrêt obligatoire à Saint-Brévin, le serpent de mer. Il y a l'étape de pique-nique là-haut. Et le musée maritime, juste derrière le parc du musée maritime. Alors le plus dur, c'est pas de monter ce pont, on le fera pas aujourd'hui et je sais pas si on le fera un jour, mais c'est pour expliquer. Voilà, le pourcentage sur la côte n'est pas trop élevé, mais par contre c'est en plein courant d'air, donc la prise au vent c'est sûrement pas terrible, j'ai même pas envie d'essayer quoi. Ah voilà, comme ça vous savez, c'est pas trop les pourcentages, c'est la prise au vent le plus dur dans ces cas-là avec ce genre de pont. Ah, peut-être qu'un jour on le prendra en vrai, je vous montrerai. Qui sait? Peut-être pas celui-là, ou peut-être un autre. Allez, pour immortaliser notre arrivée. La fin de Saint-Brévin et l'Atlantique devant nous. On arrive. Hop. On est sorti du chemin de l'estuaire, donc le petit chemin gravier qu'on vous a montré tout à l'heure, qui est une réserve naturelle. Donc on est passé, c'était là-bas, on est passé derrière une usine. Et sur notre droite, un peu après, allez, 200-300 mètres, même pas, un petit arrêt pour ceux qui veulent. Yep, une mire à la vue sur le pont de Saint-Nazaire. Toutes ces petites baraques de pêcheurs sur pilotis. Et voilà,
prend la route. Vous voyez l'usine, elle est juste là. Donc vous passez l'usine et sur votre droite il y a le petit chemin qui mène ici pour faire votre petite pause si le cœur vous en dit. Si le cœur. Et nous voilà sur la Vélocéan. Donc voilà, on est au Saint-Michel, le long de la Vélocéan. Une petite chicane. Normalement, c'est 90 cm. Voilà, ça devrait le faire. Donc on va décrocher à la main. Et je vous reprends. On va faire ça en plusieurs passages. Je vais vous montrer un peu comment on va essayer de passer la roulotte malgré tout. A tout de suite. Donc voilà la preuve en image, on est passé de l'autre côté. Alors comment on a fait, donc je suis arrivé ici et j'ai incliné l'avant. J'ai essayé de passer entre les deux poteaux. Après il fallait soulever l'arrière pour le mettre en plus parallèle, en tout cas assez de travers pour qu'elle passe là. Et franchement, il manquait quand même 2-3 cm quoi. Je fais 90 cm, donc 90 cm. Et heureusement qu'il y a deux couples qui sont passés. Donc il y en a, les deux hommes ont tiré à l'avant pour faire avancer la roulotte. Les deux femmes ont poussé à l'arrière. Et moi j'étais ici en train de tirer sur le poteau et le pied sur l'aluminium de la roulotte pour essayer de tirer un maximum le poteau et le faire passer la roulotte. Donc voilà, ça n'a pas été évident, mais on l'a fait. Donc petit conseil, si vous faites plus de 90 cm avec une longueur de plus de 2,50 m, un peu comme moi quoi, évitez ou croisez les doigts pour que quelqu'un vienne vous aider. Là c'est le cas, on va reprendre la route. Allez, c'est parti, direction l'océan. Regardez-moi ça. On va aller se renseigner. On est à une vingtaine de kilomètres de Pornic le long de la côte. Et nous voilà posés pour le temps de midi. Quand je vous parlais de Saint-Michel, c'est Saint-Michel Chef-Chef. Donc là, on est à côté de la capitainerie. Je vais vous montrer. Et le port Saint-Michel Chef-Chef. Oui, chef. Donc si je me trompe pas, là-bas, c'est Pornic. Et donc on va longer la côte jusqu'à Pornic. On verra bien si on arrive aujourd'hui, sinon on dormira comme d'habitude le long du parcours. Et voilà, on vient d'à peine quitter Saint-Michel Chef-Chef. On était tout à l'heure. Et regardez, quelques centaines de mètres plus loin. Erderpo, table de pique-nique. Avec une vue magnifique sur les cabanes de pêche. Jusqu'ici, c'était une route super agréable qui a fini un peu dans le sable, mais ça roule quand même. Voilà, prochaine étape, on va regarder à la sortie de la ville si on trouve pas un endroit pour dormir cette nuit. Dans la surprise du jour, on a rencontré des gens qui nous ont proposé d'aller se poser sur leur terrain à 5 km de là. Ils ont prévenu les voisins qu'on débarquait. Ils ont fait arrière. Et voilà, ce sera le terrain pour cette nuit. On va remettre la roulotte à l'intérieur, fermer les barrières et lâcher les chiens. Voilà, voilà. Et donc, on est arrivé à Plaine-sur-Mer, pas loin de Pornic. À mon avis, qui est la prochaine destination demain midi, si ça roule bien. Et nous voilà à Préfaille. Comme d'habitude, je vous montre le petit Erderpo. Vous l'avez compris, ça c'est les toilettes à ma droite. Surtout, on est là pour vous faire admirer la vue. Voilà, hormis des casses vitesse qui n'étaient pas trop obligatoires, je trouve que ça roule vachement bien. Donc,
On se dirige tout doucement vers Pornic. Ah bah voilà, un caisse vitesse par exemple. Hop là, voilà, ça se voit un peu. Ah, voilà, c'est passé. Ah, il suffit de parler d'un état des routes convenable pour tomber sur un tournant. Allez, ça a cabossé dans tous les sens, ça secoue. Ça a l'air de revenir ici. Voilà, ça c'est correct. Voilà, un mauvais moment à passer. Alors là, ça grimpe un peu. Du coup, pour ceux qui veulent voir ma tête en plein effort et vous prouver que c'est pas si dur que ça, juste avoir le temps. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que ça ne demandait pas d'effort. Mais un effort pas si énorme. Aussi essoufflé que si je courais. Marche rapide. Voilà, un petit marathon. Donc il faut une condition physique quand même. Et voilà, donc le principe, c'est dès que ça grimpe plus, on va moins vite. Et encore là, je vous assure que je pédale comme un fou pour essayer d'avancer plus vite. Donc je pourrais prendre mon temps, juste comme ça. Wow, les chiens. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, voilà. Donc voilà. Après le pré-faille, j'aurai droit à une jolie petite côte, environ 800 mètres, je dirais. Un petit dénivelé, je ne m'avancerai pas dans les pourcentages, mais c'est faisable. Allez, sautons en deux parties. Donc à un moment, ça grimpe bien, puis de nouveau, le dénivelé un peu moins fort. La prochaine petite montée, qui est jusqu'à la prochaine montée, qui grimpe plus, mais sur une plus courte durée. C'est là que les choses se compliquent, donc le passage, on pourrait passer sur le côté. On est à 10 km de Pornic, mais je vois un panneau. Pente à 10%. On va aller voir ça ensemble. Ceux qui parlent par une côte à 10%. Donc, la solution pour moi est plutôt simple. Lâcher les chiens. Et faire la descente tout seul comme un grand. À fond sur les freins. Donc, je ne vais pas la filmer. Je vous explique comment je vais la négocier. Oui, bon, elle n'est pas très longue. Et après ça part par là. Ben, j'espère que je vais pouvoir sortir de là. Mais la descente, c'est faisable. Comme je vous ai dit, on va essayer de la négocier sans les chiens. Allez, c'est parti. Et voilà le secret de la descente. Je suis resté sur ma gauche durant tout le tournant. Et donc, quasi à fond sur les freins. En appuyant légèrement sur les freins avant. Donc, pomper sur les freins pour permettre une meilleure descente. Donc voilà, après la petite côte à 10%, à la fin du chemin, il y a ceci, les panneaux à gauche pour Pornic. Mais on retourne sur la route et à droite un chemin de VTC que des locaux m'ont conseillé, donc on va tester à droite et puis première à gauche direct. C'est parti. Fin du chemin. Et là, vous prenez directement à gauche. On va vous indiquer le petit raccourci conseillé par les locaux. Et donc ici, après ce panneau-là, première à droite. C'est simple, il suffit de suivre les petits panneaux VTC écrits en vert. Voilà, barrière blanche à passer. Donc après le panneau, c'est à droite. Il n'y a pas de canard sur la barrière, donc vous pouvez l'ouvrir tranquillement. Et reprendre votre chemin. Donc voilà, après il faut suivre le chemin. Donc après le passage de la barrière, vous restez sur le chemin de gauche. Et là, de l'autre côté de la haie, vous le voyez pas, mais il y a la fameuse ferme. Donc hop. Donc ici c'est facile. Nous revoilà sur le vélo océan.
Et voilà, petit passage sous le côté où on est passé. Là, directement à gauche. Et première à droite. Après, il suffit de suivre les panneaux de la Vélodyssée et de Vélo-Océan, comme je vous ai dit précédemment. Et on repart. La preuve en image. Toujours sur la voie VTC et qui est en vert. Et de retour sur la Vélo-Océan, Vélodyssée. Donc voilà, attention quand vous sortez de la dernière barrière. Il y a un petit panneau qui vous indique qu'il faut tourner ici à droite, mais vous indique pas que le chemin, en fait, c'est pas là-bas à droite qu'il faut continuer. C'est directement ici, donc c'est-à-dire c'est un droite-gauche. À la barrière en bois, vous prenez à droite et directement la première à gauche pour mener au chemin du clos. Et voilà, on est sorti des petits chemins style VTT, mais la plupart des chemins étaient en bon état, ça roulait bien. Pas trop à se plaindre de ce côté-là. C'était top, agréable. Et maintenant, retour sur une véloroute. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de voitures dans le coin. Et de l'autre côté, je crois que c'est l'océan. On va aller voir. Une petite pause au bord de l'océan. On doit être pas loin de Pornic à mon avis. Donc le chemin qu'on a pris venait de là sur la gauche. Et puis voilà, après il faudra repartir pour montrer. Tout droit par là. Une petite côte pour, pour redémarrer. Même pas peur. Yep. Petit arrêt, le parking est là. Et voilà le genre de petite plage que vous trouvez un peu avant Pornic, donc en prenant les chemins de randonnée. Au niveau du parking où on était garé tout à l'heure, vous pouvez profiter un peu. Voilà, on venait du parking là, donc hop, et on voit direction Pornic. Et regardez un peu ce tournant. Donc vous décrochez à la main, vous allez un peu plus loin pour venir dans ce sens-ci et tourner, mais comme ça c'est pas possible. C'est la première fois depuis le début du trek où la roulotte, j'avais une voiture en face, j'ai tourné un peu trop court, du coup j'ai pas osé prendre mon tournant au maximum, du coup la roulotte a pas suivi et le vélo s'est couché. Pas de mal, des gens sont venus nous aider, mais en attendant le vélo était couché, la roulotte avançait plus, était bloqué. Et voilà, ça s'est bien passé. On a une petite frayeur quand même, les chiens étaient bloqués avec leur laisse. Il m'a fallu le temps de détacher et le temps de les détacher. Il y a un monsieur qui a pas trop apprécié que Minos soit en liberté, donc s'il voit cette vidéo, désolé, mais j'ai pas eu le choix. La laisse des chiens était bloquée dans la roulotte, donc j'ai dû les détacher pour manœuvrer. Toutes mes excuses, ça arrive. Donc on vient du parking et on enchaîne. Un virage très serré, comme vous pouvez le voir. On l'a passé. J'ai mis mon anti-recul. Comme ça, on peut faire la petite vidéo, je vous montrer. Mais on est en pente. Le vélo, là, il tient que sur la barre d'anti-recul. Et on repart. Voilà, dès que vous arrivez au niveau du rond-point, il y a la plage devant vous et sur votre gauche, la petite montée.
N'hésitez pas à vous mettre direct sur les bons plateaux. Ça grimpe pendant quand même quelques mètres. Mais c'est faisable. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour trouver un bon spot, ben je suis les petits chemins et surtout il faut avoir l'œil. Regardez les petits chemins sur le côté. Et là donc la route, je vais vous montrer, qui passait derrière le port pour les promeneurs. Et les vélos, ça passe aussi. Donc voilà, vous arriverez par le pont du 8 mai pour traverser à Pornic. Vous pourrez faire une petite halte pour profiter de la vue et faire des photos. Donc prendre à droite direction la Bernerie pour longer la Véloséan par la côte. Et c'est par là. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour trouver un... Pour ceux qui se demandent comment je fais pour trouver un bon spot, ben je suis les petits chemins et surtout il faut avoir l'œil. Regardez les petits chemins sur le côté. Et là donc la route, je vais vous montrer. Voilà un petit chantier qui passait derrière le port pour les promeneurs. Et les vélos, ça passe aussi. Et par là, ça retourne en ville. Et par là, ça repart en ville, et puis il y avait ça. Et tiens, on va s'arrêter, on descend du vélo. J'ai attention, si ça descend, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça en vaille la peine de remonter ça demain et de prendre le risque déjà de redescendre aujourd'hui. Et puis voilà sur quoi je tombe. Oh bah voilà, nickel. On va s'arrêter là pour la nuit. Et donc en face de cette superbe vue, un petit renfoncement, nickel, à l'abri des regards. Il y a juste un passage où les gens vont ici de gauche à droite, mais c'est pas grave, on comprend. Allez, regardez. Donc prendre à droite direction la Bernerie pour longer la Véloséan, pour longer la Véloséan par la côte. Et c'est par là. A tout de suite. Donc voilà, vous arriverez par le pont du 8 mai pour traverser à Pornic. Vous pourrez faire une petite halte pour profiter de la vue et faire des photos. Avant de tourner à droite pour longer l'océan, sur votre gauche, trottoir d'en face, il y a l'office du tourisme, si vous en avez besoin. Après avoir longé donc, la côte de Pornic pour sortir, vous allez passer dans des habitations, à la fin des habitations, et près du dolmen de la Josselière, pour regarder un peu sur les cartes. Là, c'est une petite côte, mais ils ont été tapés des cases vitesse. Donc c'est des petites bordures, mais il y en avait 4-5 bordures qui te coupent en plein élan, en pleine montée. Donc pour les vélos chargés, comme moi, c'est pas évident. Et puis après, on retombe sur une piste vélo habituelle, gravier, petite montée, c'est parfait, doucement à son rythme. J'en profite pour vous montrer le style de case vitesse qu'il y avait tout à l'heure. Voilà de quoi je vous parlais. Mais c'était en montée, 5 comme ça. Je peux vous dire, j'étais pas ravi. Chouette petit passage. Un pont. Je voulais partager ça avec vous. On va le mettre comme ça. Yeah. Donc voilà, ce midi on est parti de Pornic et la Bernerie, c'est le fameux endroit où je vous avais prévenu pour les cases vitesse. Mais donc à la sortie de la Bernerie, il y a plus ou moins, vous voyez, on est à 2,7 km, plus ou moins un bon kilomètre. C'est qu'une voie comme ça. J'appelle ça un billard. Et je me permets de faire une petite parenthèse. Je sais que c'est pas bien de se plaindre, c'est clair. Ça roule, hein. Ça roule tout seul, c'est bien plat. Mais voilà, c'est pas l'idéal et puis il y a d'autres alternatives, je suis persuadé. En tout cas, c'est déjà une nette amélioration par rapport à des chemins qui sont pas balisés du tout ou alors qu'il y a des trous. C'est pour ça que je dis qu'on va pas trop se plaindre. Mais bon,
voyageant avec mes chiens. Hop, là c'est un peu dur à une main. Là, je dois rouler un maximum le pneu près du trottoir pour que les loulous ils courent dans l'herbe. Et vous inquiétez pas, j'ai senti la chaleur du bitume en plein soleil, c'est pas bouillant. Et puis on fait quand même plusieurs arrêts. Là il fait assez chaud, donc je vous rassure, on s'arrête pour leur donner à boire. Là, contrairement à ce que vous pourrez penser, on vient de s'arrêter pour les faire boire, donc voilà. Là ils sont en forme, ils sont contents, ils repartent. Allez, je... Notre campement du soir. Et voilà, on a repris la route. Et nous arrivons à... Hop. Ah. On rejoint la côte. Et voilà, les amis. C'est ici que se finit la Vélocéan, itinéraire de la Vélocéan. Et on continue sur la Vélodyssée. Donc voilà, après le dernier panneau là, on était toujours sur la véloroute. À un moment, on doit tourner à gauche, prendre un petit chemin. Je vais vous montrer derrière. Hop. Voilà. Là, c'est assez large. On s'est mis d'un côté pour que les chiens marchent du côté droit en milieu de la route, où il y a l'herbe. Puis on arrive ici, si ça se complique un peu, la route rétrécit. Allez, donc c'est parti. On va voir comment ça se passe de l'autre côté. Et voilà, sur 200-300 mètres. Alors, je déconseille tous les véhicules avec une remorque dépassant les 90 cm. Comme ça, c'était déjà difficile. Donc voilà, un averti en vaut deux. Et j'espère que vous avez des pneus increvables avec des bandes anti-crevaison. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes de ce côté-là, mais il y a des petits picots à gauche, à droite. Donc, n'oubliez pas de mettre surtout des bandes anti-crevaison sur vos remorques. Et c'est reparti. Ah bah non, c'était juste le temps d'un tournant, il y en a encore une. Et regardez-moi ça comme c'est beau. On prend le temps de s'arrêter. Et voilà, on est arrivé au bout. Il y a environ pour 800 mètres de chemin tout étroit. Et on reprend... la route. Et voilà la surprise, on se dirige vers le bois. C'est le chemin qui va nous mener à l'île de Noirmoutier. Donc quand la mer se retire, il y a un chemin en pavé. On va aller le prendre. Et voilà la compagnie, je vous propose que cette semaine on s'arrête là, à l'entrée du passage de Goua, donc qui nous mènera à l'île de Noirmoutier. Mais ça, ça sera pour la semaine prochaine. On va faire une spéciale île de Noirmoutier en parcourant un maximum les plages de l'île. Et donc ça, ça sera pour la semaine prochaine. En attendant, je suis déjà sur place. Je voulais remercier Christide et son fils Maël de m'avoir invité au camping des Onchères passer le week-end avec eux. Et un grand merci à Chris Plancha Mémorable. On s'est régalé. Je voulais aussi remercier son fils Maël pour le petit cadeau qu'il m'a fait à l'occasion de ma première année de rouletier. Donc je vais vous montrer le petit cadeau.
une gourmette avec une petite goulotte. Merci à Maël pour ce beau cadeau. Et donc voilà, c'est fini pour cette semaine. Si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas à partager, liker et surtout vous abonner. Vous pouvez également participer à la cagnotte en ligne sur utip.io qui vous propose de financer ce projet pour 1 euro par mois. Vous deviendrez alors mes patrons. Et j'espère que ce projet va vous plaire. On va tout mettre en œuvre pour faire de cette chaîne une chaîne de qualité, dans le but donc de promouvoir les pistes cyclables un peu partout en France et bientôt ailleurs, on l'espère. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.